déposer notre candidature, c'est pour aller gagner aux élections. Le secrétaire exécutif fédéral en Ituri du parti politique d'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANC en sigle, Franck Bafouaki, vient de déposer sa candidature à la députation nationale pour le compte de la circonscription électorale du territoire de Djougou, ce samedi 15 juillet 2023 à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, au bureau de la CENI. Accompagné d'une foule et dans une caravane motorisée, ce jeune revient sur la motivation qui l'a poussé de se présenter comme candidat. Nous avons besoin un jour de gérer ce pays, étant donné que le pays est dans le désordre, vous-même vous êtes en train de constater, trop de tueries en Djougou dans mon territoire, il y a beaucoup trop de problèmes, et si nous voulions prendre les choses en main, c'est parce que nous sommes en train de voir comment la population est en train de souffrir et chercher à résoudre tant soit peu par le moyen de plaidoyer le problème lié au social de la population dans le territoire de Djougou et pourquoi pas en Ituri en général. S'agissant de l'insécurité persistante en territoire de Djougou, Franck Bafouaki promet dès son élection faire des plaidoyers pour un retour effectif de la paix dans ces territoires secoués par l'activisme des groupes armés. Mon rôle, c'est de faire le plaidoyer. Moi, je suis population, je dois plaider pour que la sécurité revienne dans le territoire de Djougou. Je n'ai pas des armes pour remettre la paix, mais nous allons faire un plaidoyer pour que le gouvernement fasse tout pour que la paix revienne dans le territoire de Djougou et que la population vaquille librement à ses préoccupations. Pour ce faire, il demande à la population de faire un choix judicieux. Nous demandons à la population de faire un bon choix. Vous voyez cela qui est géré pendant 5 ans. Le résultat est que c'est vous-même, vous pouvez le voir, parce que leur bilan est mitigé, et que la population puisse faire un choix qui est judicieux. Pas voter parce qu'il y a un polo, il y a un chapeau, il y a l'argent, mais voter parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous amener un changement dans votre territoire, dans votre pays. Signalons que la fin du dépôt et traitement des candidatures devrait initialement intervenir ce samedi 15 juillet 2023.